sorcier. C'est pas rien. Où est le sorcier? Parlez, hein. Parce que j'ai commencé mon travail. Où est le sorcier? Oui. Tu manges l'homme. Hé, hey, pourquoi on n'est pas des yeux? L'homme, tu manges. Tu manges l'homme. C'est doux. C'est doux. J'ai dit c'est doux. Tu manges l'homme. Hein? C'est doux. Toi, tu manges quelle partie de l'homme quand tu manges? La tête et puis le cœur. Hein? Lève-toi ici. Hein? Tu manges l'homme. Regarde-moi. Tu manges quelle partie? La tête et puis le cœur. Tu manges la tête et le cœur. Et toi? Tu manges l'homme. Puis quoi? Tête et cœur. Et tu voulais manger qui? Maman. Où elle est? Maman, elle est où? Arachide avec Zabrou. Et tout à côté. Et ta maman? Qui t'a donné de la manger? C'est son papa, c'est son maman et puis son conseil. Attends, ton français là, c'est comme ça. C'est qui t'a donné là? Hein, son papa, sa famille là. Mmh. Où est-elle, papa? Mmh, c'est toi. Où est-elle, Tini? Pourquoi la sorcellerie là, où est terrible? Grussie, sorcellerie de Grussie, c'est pas petit sorcellerie. Donc, c'est papa là, quoi? Non, papa, c'est sa famille, c'est la tante. Et donc, ah, elle dit quoi même, je comprends bien. Tu l'as pas envoyé à l'école? Ah, pour l'envoyer à l'école, hein? Ouais, c'est mon papa, la famille de ma papa. Ah non, toi-même, c'est grave. C'est grave. Toi-même, c'est clap, hein? C'est ta putain. Toi-même, c'est clave, non? C'est trop clave. Ouais, écoutez la fille, hein? Tu es clave, hein? Anta, Fatih, ta bonne souffrance, fais-le. Nous sommes cas, tu parles à dîner. Ok, la femme à son père, lui. C'est elle qui a donné. Il a entendu parler en Djoula. La femme, lui, son, lui, le monsieur, la femme de son père, qui a donné la sorcellerie à l'enfant. Qui est la grand-mère de la fille. Il a donné la sorcellerie pour que la fille m'aille l'homme. Akasuba dit comment donner la sorcellerie comment? Elle a préparé le pain à manger. Elle a préparé lui manger. Non, dis bon. Monsieur, restez dans Djoula, pardon. Reste dans Djoula. Reste dans ton royaume, Djoula. Comme ça, on peut mieux te comprendre. Hmm, tu as fait quoi? Elle m'a envoyé, c'est parce qu'elle paye le poisson. Elle t'a envoyé aller payer le poisson? Oui, et puis elle a préparé, elle m'a donné aussi. Et quoi? Elle, riz? Oui, et puis elle m'a donné tête là. De poisson? Oui. Et qu'est-ce que c'est devenu? Et puis la nuit, elle est venue me chercher. Quoi? Elle est venue me chercher. Hmm, elle dit quoi? Elle dit, elle m'a donné, je sais pas si elle m'a donné du son et bébé. Elle dit quoi? Elle m'a donné du son, et puis elle m'a donné... Elle t'a donné du son, t'as vu? Oui. Et puis elle m'a donné du son, et puis elle m'a donné... Et puis quoi? Et puis elle a tué le 4e mois. Elle a tué tant? Il est 4e mois petit, et puis elle a tué. Tu as mangé la petite? Oui, elle a mangé. Comment tu as fait? J'ai posé ma main sur le ventre. Comment? C'est, l'enfant était dans le ventre ou bien il était déjà sorti? Elle était dans le ventre. Il était dans le ventre. Oui. Puis la maman, comment tu as posé la main sur la grossesse? Je suis transformée en une pâte et je suis venue poser ma main. Des transformées en mille pattes? Oui, puis je suis venue poser ma main et je suis grossesse là. La femme, elle n'a pas gagné.
Ah, t'as dit qu'il ne faut pas grossir l'enfant et puis c'est sorti. Et puis tu as fait quoi encore? Et puis, c'est, je voulais la tuer, je voulais tuer ma maman. C'est là? Oui. Non. Tu allais te mettre dans ma mite, hein, sauce arachide. C'est celle-là que tu voulais manger? Oui. Comment? Parce que Dieu travaille bien avec elle. Elle gagne l'argent? Non, elle travaille puis elle gagne beaucoup. Et puis elle prend pour nous nourrir. Toi, tu ne sais pas dire non. Parce que tu te nourris, pourquoi toi tu ne dis pas non aussi? Et puis tu acceptes de gâter grossir ta maman. Tu as fait quoi après? Après ça? Après ça, maintenant, il est gâté sur le travail. Travail de qui? Il est gâté, il est parti chier dans le champ de l'île. On appelle ça Gounini. Gounini. Caca de sorcellerie. Gouanini. Il y a caca, puis il y a caca. Ça, c'est caca de sorcellerie. Quand ça rentre, engrais moyen, pas la champ, le champ. Gouanini. Hmm? Et tu as gâté la plantation. Où tu dois manger? Tu as fait quoi encore? Et puis, elle a gâté le travail de mon papa. Il est chier dans le cacao et puis elle peut planter ses cacao là. C'est pire. Ah. Tu les pires les cacao? Oui. Pourquoi? Non. Pourquoi si... il est dans l'église là. Quelle église? Il est bien boire un peu. Dormi. Non. Allez, dormi. Drôme, il est. C'est drôme, hein? Il va avant, non? Il respire, il m'a dit, bois trop. Drôme, drôme, quand? Il va avant. Il va avant. T'as gagné, le vent qui boit, de casser ça. Drôme. Comment il a fait? Tu as mis. Il est devenu pauvre. Il est pauvre. Il va lui tout. Ah bon. C'est donc tu as mis, puis ton papa est devenu pauvre. Tu as fait quoi encore? Qui n'est pas de votre famille? Oui. Il est où? Il est lobby. Il est au village là-bas, on ne dit pas son nom. Il est. Pour pas créer des problèmes à la fille. Hmm? Il est à côté de nous là-bas. À côté de lui? Oui. Vous voyez comment la sorcellerie elle est dangereuse. Et tu l'as tué, tu l'as mangé? Oui, papa. Comment tu as fait? Je suis entré dans son corps. Comment? Je suis entré dans son corps. Je suis entré dans son corps. Je suis entré dans son corps. Quoi? Tu es rentré dans le corps de monsieur. Comment tu as fait? J'ai attrapé son âme pour attacher. Hmm? Son âme. Mon âme t'a attaché? Oui. Et tu l'as tué? Oui. Il est mort? Oui. Il est mort. T'as dit, tu n'es pas bon chrétien, ton voisin est sorcier, tu es en danger. On a une fille qui est venue de la Suède. Une fille du Malinké, elle est du là du Mali. Elle a tué le blanc, son voisin, elle a mangé. Voilà. Elle a mangé le blanc. Elle a été initiée par une fille libanaise. Après, elle allait tuer le blanc, son voisin. Donc, c'est ça le mystère. La sorcellerie existe. Elle fait assez de dégâts autour de nous. C'est ça le danger aujourd'hui. La vie des gens. Les gens, les sorciers détruisent la vie humaine. Et ça, c'est pour ça que nous combattons la sorcellerie. C'est pour ça qu'il faut que la sorcellerie, la pratique, soit reconnue comme crime contre l'humanité. La pratique, là, crime contre l'humanité, elle fait accès aux dégâts. Moi, je n'ai rien avec la sorcellerie. Pas les sorciers, hein. Je peux les délivrer, on peut les délivrer. Mais la pratique, elle est dangereuse. Celui qui défend un sorcier, il est un avocat du diable. Le méchant est dangereux. Parce que la sorcellerie existe dans toutes les langues. Pourquoi aujourd'hui, c'est un mot-clé
qui existe dans toutes les langues et c'est la même définition. C'est pour ça que c'est important. Si ce n'était pas important, ça n'allait pas avoir, n'est-ce pas, une définition non seulement ça, mais ça n'allait pas exister dans toutes les langues de la terre. Et qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez, non? Le fait de lui donner la sorcellerie, il a un peu les dégâts qu'elle a commencé à faire. Elle lui donne la sorcellerie, elle tue, et puis elle a commencé à faire des dégâts énormes. Et c'est ça le danger. Appauvrir les parents, les exterminer. Tu as fait quoi encore? Et puis j'ai tué quelqu'un encore. Tu as tué quelqu'un? Oui, papa. Ça veut dire? Il s'appelle Sally. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle aime quelqu'un. Elle fait pas du mal à quelqu'un. La fille Sally là. Oui. Et puis t'es quelqu'un qui ne veut pas du mal, toi tu tues. Pourquoi? Pourquoi? Et lui qui boit drôle. Il n'a pas mangé. Non, il est empoisonné. Tu l'as empoisonné? Oui. Comment? Il a mis 10 ans dans le drôle. Et puis s'il boit. Drôle là, non? Oui. S'il boit, il fait quoi? S'il boit, et puis il va devenir fou. Il va devenir fou. Il boit trop. Hum? Moi, j'ai gâteau. Ouais, ça aide aussi. Je vais lui dire, je vais quand même en paix. Ah, mais toi aussi, on a libéré toi. Non, moi, je suis libéré. Ce qui est dedans, là, on va libérer. Sortir. Ouais, sortir comme ça, drôle, là. Quand tu vois drôle, tu ne touches pas drôle. C'est vrai. Là, il peut finir casé, lui, ouais, là. Un bon drôle, drôle. Tu as fait quoi encore? Et puis, il y a un monsieur. Un monsieur, t'as tué tout combien? T'as tué un monsieur comme t'as fait comment pour tuer? Lui aussi, il est gentil. Bien compris? C'est les gens gentils, sur ceux tu. On n'a pas dit un bel an à la tuer. On appelle le monsieur musclé, fait par là, on doit la tuer. Et lui, il est gentil. Lui aussi, s'il a vu qu'il y a toi, même s'il a quelque chose de toi. Oh, c'est ça qui est mauvais. Ou à cause de vous, il y a un autre agent, en gardez ça. En gardez, hein. En gardez l'argent, là. Viens. C'est qu'à côté, là. Tu es délivré maintenant, il y a sa camarade, la collègue. Oh, elle était sorcière avant. Viens. On peut acclamer le Seigneur. T'as grossi tout ça. Voici ce que Dieu peut faire. Laver tout, gnani gnani de la sorcellerie. Tu t'envoles maintenant? Non, papa. Hein? Non, papa. J'ai janvier, est-ce qu'on t'a envoyé un plat pour dire, hein? Non, papa. Ça va? Non, tu dors bien? Non, papa. Vous dormez bien? Vous êtes allé nager, planer? Ton pied est fini? Non, papa. Elle avait vendu son pied. Pied de porc. Ils ont coupé un kéké. Ils ont bien mangé. Plein qui était ça là. C'était déjà cancéreux. Il y a déjà cancer. Un miracle de Dieu. Ah, d'autres, dans d'autres coins, on te dit, bon, c'est toi qui as vendu ton pied. Tu vas aller le pied gâté. Ça va maintenant. C'est ça la compassion des âmes. Il faut arriver à ce stade-là. Hein, n'est-ce pas, avoir l'amour des âmes et puis les aider à être transformés, voilà. Va t'asseoir, que Dieu te bénisse. Donc tu as tué combien tout? 7 personnes. Oui, tu as quel âge? 12. Et à 12 ans, elle tue 7 personnes. Elle sort bien sa bouche. Hein? Ce que tu dis là, c'est la vérité ou tu mens? C'est vrai, papa. Ok. Tu vois, les gens confessent et puis les gens pensent que non. C'est faux. C'est faux. Et comment, c'est quelle imagination? Qui l'a envoyé ici? C'est toi ou c'est moi? Ah, c'est pas moi qui les envoie. C'est elle qui les envoie ici. Donc, maman, tu l'as attaché? Oui, papa. Et tu vas la manger? Oui, papa. Tu vas manger la pauvre dame. Elle est sauce arachide. Et c'est la sauce qu'ils aiment le plus. Non, c'est ce qu'il dit.
Un secret. Vous voyez ce corps aussi dedans. Monsieur là, monsieur Sarachi. Ça va? Ça va. Dieu va te délivrer. Tu crois? Oui. Ah, tu n'es pas encore mangé? Tu viens à l'église? Dieu merci. Ah. Heureusement, sinon il y a des gens qui n'échappent pas à ça. La puissance de Dieu te délivre. Reçois toute ta délivrance. Malade! Chasse l'esprit des morts. Je détruis l'esprit des morts. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus te délivre ce matin. Te délivre ce matin. La puissance de Dieu te délivre ce matin. Je chasse, je détruis ta présence dans ce corps, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, reçois. Amour à Péo, goulé par là-haut. Amour à Péo, goulé par là-haut. Oh,
Casse la graine là, c'est là que tu as caché son âme. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Te libère, sa puissance te libère, sa puissance te libère. Je libère ton âme, je libère ton âme, je libère ton âme, je libère ton âme. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu te délivre maintenant. Sa puissance te libère, la puissance de Jésus te libère, sa puissance te libère, sa puissance te libère, sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu te délivre maintenant. La puissance de Dieu te délivre maintenant. Merci Jésus. Merci. Amen. Tu es délivré. J'ai vu ton âme sortir. Et revenir en toi. Jésus vient de te guérir. Il sait que ta fille vit en toi, je le dis. Bien. Quand t'as envoyé ici, tu es rentré dans ton père. Tu es resté en lui. Oui. Sa sorcellerie là, elle est venue cacher ça en toi. Oui. Hein? La puissance de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de l'Esprit. Cette présence, la puissance de Dieu, libère ton âme. Calme! La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Commande! Je libère son âme. Je libère toute sa vie. Envoyez la délivrance, le goût de ta sœur. Améliore la délivrance. La chose se passe dans ce monde, attaquer l'esprit. Feu! Le feu! Feu! Allez! Feu! Feu! Allez là! Feu! La puissance de Dieu! Allez! Comment? Feu! Lâche-la! Le feu! Consume tes œuvres! Consume tes œuvres! Dans ce corps! La puissance de Dieu consume tes œuvres! Dans ce corps! Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Toi. Toi. Toute envie de manger la chair humaine est détruite en toi. Nom de Jésus.
ne mangera plus de chair humaine dans le nom de Jésus. Le feu! Allez! La puissance de Dieu. Jésus, tu restaures maintenant. Jésus, tu restaures. Jésus, tu restaures. Yeah.
puissance de Dieu te libère. Esprit qui poussait cette fille à pratiquer la sorcellerie et avoir l'envie de manger la chair humaine et d'avoir envie de nuire à son prochain, de tuer, cette envie quitte en toi. Nom de Jésus. Ce démon est vaincu. Au nom de Jésus. L'esprit qui te poussait à tuer, à détruire, quitte ton cœur et quitte ta vie. Au nom de Jésus. Le feu. Si cette sémence satanique et démoniaque, dans le nom de Jésus, reçoit la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance. La puissance de la délivrance. La puissance de la délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Maintenant même. Vous quittez son cœur. Vous quittez son cœur. Voilà, quittez. Allez. Libérez-la. Allez. Allez. Voilà. Quittez-la. Dégagez. Elle ne mangera plus la chair humaine. Elle ne tuera plus. Hein. C'est fini avec la sorcellerie. C'est fini avec cette pratique. Vous quittez sa vie. Vous quittez sa vie. Vous quittez sa vie. Voilà. La puissance de Dieu te délivre. 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 Voilà. Sors. Le démon est en train de partir. Parce qu'en réalité, elle était possédée d'un démon. Donc, si elle fait des aveux, il faut qu'elle obtienne sa délivrance. Il faut qu'elle soit débarrassée de ce démon qui est venu s'incarner en elle et qui faisait d'elle cette fillette mangeuse d'âme. C'est un démon. Parce qu'il y a l'esprit saint et puis il y a l'esprit mauvais. Quand on accepte Jésus-Christ, c'est l'esprit de Dieu et le Saint-Esprit qui habite désormais dans notre cœur. Quand on n'a pas Christ, c'est le mauvais esprit. N'est-ce pas, qui est la sorcellerie, qui vient s'incarner dans la vie de cette personne, elle pousse à pratiquer la sorcellerie. Le roi, quand sera délivré, on n'aura plus maintenant cette envie de manger la chair humaine. Le démon te quitte. Quitte-la, démon. Quitte-la. Tu la quittes. Tu la quittes. Tu quittes son âme. Tu quittes sa vie. Le démon la quitte. Oh, quitte-la. Quitte-la. Voilà, va. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Laisse-la. Quitte-la. Quitte. Quitte. Elle est délivrée. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que tu as vu, qu'est-ce qui est sorti de toi? C'est viande. Hein? Viande. Comment? C'est sorti dans ma bouche. Dans ta bouche? Oui. Et puis c'est parti. Oui, c'est parti. Tu as senti que la viande est sortie? En fait, c'est ce qu'on avait pris pour l'initié qui est ressorti. C'est ça la connexion là qui est partie. Ça va? Oui, maintenant, comment tu te sens? Je me sens bien. Tu sais que tu es délivré? Oui, papa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ta fille est délivrée. Voilà, elle veut. Où est sa maman? Voilà, c'est fini. C'est fini. Je suis délivré. Elle est délivrée.
Dro est parti de délivrer. Si tu vois Dro, Dro à gauche, toi tu vas à droite. Adieu Dro. Faut dire. Merci. Ah non. Dis Dieu, Dieu, Dro, adieu. Libéré. Faut dire boisson, adieu. Boisson, adieu, je ne bois pas. Hein? Je ne vois pas. Je ne vois pas. On ne voit plus. Voilà. Combien plus là? Je ne vois plus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne vois plus. Le feu sur l'esprit de drop. Donne-moi une chambre aussi. Vous partez à l'église. Vous partez. Chantez, monsieur. Je te remercie à Dieu, ça. Madame, vous connaissez? Donnez un soir, ma devrie. Alanicho, Anicho, Alanicho, Mbala Folao, Waka Kunima Kemfe, Alanicho, Anicho, Alanicho. Amen. Merci. Ça, c'est ma madame, merci Dieu. Ce que tu as fait pour moi, je te dis merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, vous êtes délivré. Amen. Voilà, après ça, on va s'entretenir au bureau. Ok, allez-y, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Allez-y, vous êtes délivré. La sorcière n'a qu'à faire 20 ans, 50 ans et toi. En 5 minutes, nous chassons ces démons. Amen. Le chrétien a reçu l'autorité, la puissance de Dieu pour chasser les démons. Un démon ne doit pas résister à une prière faite au nom de Jésus. Amen. Ça vous va? Qui veut parler? Viens. C'est sorcier. Mais t'écoute, comment t'appelles? Mon égard m'a saigné en chair. Hein? Mon égard m'a saigné en chair. Il y a ma saigné dedans. Un autre micro. Tu es sorcière? Oui. Depuis quand? Ça a duré. Ça a duré. Qui t'a donné? Ma grand-mère. Comment elle t'a donné ça? Elle m'a donné ça dans le riz. Oh. Elle a préparé le riz. Et puis elle va me donner un gratin de riz là. Puis elle m'a donné. Et puis la nuit, elle veut me chercher. Elle n'en a pas dit. Elle a sorcené. Elle a sorcené. Cette confession n'a pas de pleurer. Parle bien. J'ai demandé qui veut parler et tu dis c'est toi. Donc parle. Sérieusement. Elle m'a donné viande. Il a mangé. Oui. Et puis c'est parti. Il a fait la sorcellerie. Comment c'est parce que tu veux quitter là-bas que tu as fait mal ou bien? Non. Alors donc il faut parler avec conviction. Parle comme si tu avais envie de quitter. On ne plaît pas qu'on confesse, on plaît qu'on est victime. Oui? Tu es devenue sorcière? Oui. Comment? Elle m'a donné viande. Dans la sorcellerie. Et puis c'est parti faire la sorcellerie maintenant. Tu as fait quoi? Il a tué les gens. Dis-nous ce que tu as fait. Tu as tué qui? Tu as fait quoi? Comme la petite l'a parlé sans problème. Il a tué les gens. Il a tué ma tante. Elle s'appelle comment? Fatou. Tu l'as tué comment? Sida. Il y a un sida dans son corps. Ah, donc sorcier, vous donnez sida? Vous donnez sida aussi? Donc, je te demande. Oui. Comment tu as fait pour mettre sida dans son corps? La nuit, elle tombait, il s'est parti et puis elle a mis une maladie dans son corps. Comment tu as fait pour mettre maladie? Il a pris son âme, puis il partait ça. Et puis il a mis ça dans son corps. Tu as mis injection, tu as injecté ça? Oui. Dans son âme? Oui. Et puis elle a eu la maladie? Oui. Elle est morte de ça? Oui. Et tu as tué qui encore? Et puis il a tué ma tante. Comment elle s'appelle? Fatim. Tu as tué combien de personnes, non? Cinq personnes? Oui. Et comment tu fais pour tuer tes victimes? Les gens tu tues là, tu fais comment? Ils me transforment. En quoi? Il y a des fois, ils me transforment en oiseau. Il y a des fois, ils me transforment en mille pattes. Il y a des fois, ils me transforment en serpent.
Bon, quand tu transformes en serpent, c'est pour faire quoi? J'ai piqué. Piqué. Mille parts, c'est pour faire quoi? Que je me transforme en l'homme. Mm-hmm. Et Ibou, c'est pour quoi? Elle a dit où, Ibou aussi? Ibou. Ça fait quoi? Je voulais tuer. Oui, comment? Quand il arrive à me transformer en l'homme aussi, mm-hmm. puis il prend son âme, mm-hmm. puis il met au corrigé. Mm-hmm. Et tu manges quelle partie quand tu manges? Le cœur, puis la tête. Tu as gâté la vie de qui? Mes petits frères. Ils n'ont pas de nom? Si. Oui, donne-le le nom des gens que tu as gâté. J'ai gâté la vie de ma camarade, Fanta. Elle est où? La Pichan. Dans votre quartier? Dans mon cou. Dans votre cou? Oui. Donc, elle, vous êtes camarade et puis tu as gâté sa vie. Oui. Tu as fait comment? Comme moi, j'ai fait manger la poule et puis elle mange aussi. La sorcellerie? Oui. Tu l'as initié, c'est ça? Oui. Tu as fait quoi encore? J'ai gâté la vie de mon petit frère. C'est qui? Pesa. Comment tu l'as gâté sa vie? Tu l'as donné mon fiel. Tu l'as initié? Oui. Oui. Ça, c'est initiation. La vie des gens que tu as gâtés. J'ai gâté son école. Comment? Il ne faut plus aller à l'école. Bon, on a l'impression que tu as envie de pleurer. Donc, va t'asseoir. Ou tu non. parles, ou tu pleures. J'ai parlé. Mais qui t'a forcé? Qui est-ce que c'est pendant? Moi, ici, on immortalise nos choses, c'est comme ça. Sur nous, ça se fait en direct. Voilà, parce que je pense que vous signez le protocole, d'accord? Vous signez le protocole avant qu'on lui demande toutes choses. Comment s'est retrouvée ici, votre fille? Bon, c'est ma grand-mère qui est malade. C'est ma maman qui est malade. Ma maman sorcière, là. Maintenant, elle est arrivée avec ma grand-sœur. Oui. Non, c'est les deux qui sont arrivés au camp ici. Moi, je suis au village là-bas. C'est là ma grand-sœur m'a appelé de venir, qu'il y avait un souci ici. Bon, je ne sais même pas qu'elle était venue aussi. C'est après qu'on m'a appelé au téléphone que la grand-soeur l'a amenée. Moi-même, j'étais fâchée, mais elle dit pourquoi on l'a fait déplacer parce qu'elle était bonne. Non, c'est comme ça. Moi-même, pour venir, il y avait des problèmes. Elle dit ah, je viens. Moi, on a discuté beaucoup au téléphone même. C'est quand je me suis fâchée, il n'y a plus mon sac. Et puis, je suis arrivée ce matin. C'est là, elle m'a expliqué un peu sur la route. Elle dit moi-même, je vais venir voir. Devant moi, ça a commencé à se passer. C'est là, je suis là ce matin. Mais j'avais su qu'elle était sorcière. Non, je n'ai jamais su qu'elle était. Non, on m'avait dit qu'elle était sorcière. On t'avait dit. Oui. Ça, c'est avant qu'elle vienne ici. Oui, avant qu'elle vienne ici. Quand j'ai un moment, une année, j'étais partie en voyage, il a déposé au village. Elles étaient trois. Il a déposé chez la vieille pour voir que je voyageais. Maintenant, je suis restée pendant un an. C'est dans ça, on les a mis. Elle, on a dit ici. Donc, quand je suis arrivée du voyage, et puis on m'a dit non, que les enfants étaient ici. Elle est sorcière. Maintenant, pourquoi tu ne crois pas? Bon. Je crois pas parce que je n'ai pas encore vu avec ah, tu veux voir? Je veux voir. Non, c'est témoignage tu rends. Voilà. C'est pas voir, c'est témoignage. Je veux voir vraiment. Parce qu'elle-même, elle-même, je lui demande tous les jours. Et toi, je la fais en cause. Mais elle ne veut pas faire sortir dans sa elle bouche. Elle ne peut pas te dire. Non, je voulais voir, elle n'est pas faire sortir même dans sa bouche. Et puis, je vais la voir. Ouais, maman. Non, c'est ça, je suis assise. Non, mais en fait, tu regardes droit dans les yeux. Elle me regarde, elle me voit. Voilà. Vas-y, t'écoute. Vas-y. Parce que quand les gens vous disent que quelqu'un est sorcier, ils vont pas te manger. Ne doutez pas d'abord dans un premier temps. Parce que vous n'avez pas cette capacité de savoir si c'est vrai ou pas. Vous devez pousser des recherches. Mais quand vous dites non, c'est qu'il y a un problème. Parce que dans une famille, quand quelqu'un commence à avoir la sorcellerie, Dieu va monter ça à quelqu'un, une personne. Et cette personne sera victime des injures, de beaucoup de choses. Et la personne va se retrouver seule. Et après, au fur et à mesure, que le Seigneur va commencer à révéler à d'autres personnes. Et puis on te donne la raison après. C'est comme ça. Parce qu'ils ont cette capacité de tuer votre mémoire. Voici ta maman. Tu es venu ici, on t'a forcé pour parler. Non. Hein? Non. Ok. Reste un moment. Dulli, qu'est-ce que tu es devenu? Je suis devenue sorcière. Et comment? En fiole, on m'a donné fiole. Puis elle m'a mangé. Et puis la nuit, ça, il fait la sorcellerie. Mais ta maman dit qu'elle t'a gardé au village. Oui. Qui t'a donné viande? C'est ma grand-mère. Kokuta. Elle m'a donné viande et puis elle m'a mangé.
Une dernière est venue me chercher, elle n'aura pas dû faire la sorcellerie. Et puis elle est partie. Et puis elle dit de tuer les gens. Ils disent bon, on comprend qu'elle met les gens dedans d'armes. Et puis après, elle tue les gens. Et puis elle met ma camarade. Et puis après, elle met mon petit frère. Et puis elle met ma petite soeur. Puis elle commence à tuer les gens maintenant. Tu as tué combien? Il a tué 5 personnes. Il a tué ma tante et son mari. Comment elle s'appelle? Fatou. Tu peux aller t'asseoir? Ma fille, tu peux aller t'asseoir, ça va? Mm. Tu peux lui poser des questions? Il a tué Fatou. Mm. Et puis il a tué mon grand-père, mes deux grands-pères. Oui. Et puis Frédéric. Comment tu as tué son papa, c'est ça? Ton père? Mon père. Comment tu as tué son père, qui est ton grand-père? Tu l'as piqué. Eh quoi? C'est bon. Oui. Et tu l'as tué? Oui. Frédéric, c'est qui? C'est mon oncle. Mon papa aussi, deux grands frères. Ah, votre. Deux grands frères, mon papa. Ah, le grand frère, ton père. Mm-hmm. Et tu l'as tué? Mm-hmm. Oui. Comment tu as tué? Je suis parti, puis a appuyé son cou. Il est mort. Et puis encore? Puis elle tue ma tante Fatou. Mm-hmm. Elle a mis une maladie dans elle. Puis elle est morte. Vous voyez qu'on n'a pas. On ne sait pas sous pression. Mm-mm. Maintenant tu as fait quoi? Après tu as fait quoi maintenant? Non, maintenant c'est le prophète qui prend cette partie. On va prendre la place du prophète maintenant. Non, très bien. Non, si, demain tu vas devenir. Tu vas faire même chose demain. Amen. Tu feras même chose demain. Sauf cela que nous combattons la sorcellerie. Parce que les enfants innocents, on les met dedans. Et quand on les met dans la sorcellerie, voici les pratiques. Et moi? C'est clair. Et puis elle a gâté la vie de ma maman. Tu as fait quoi là? Voici la réelle de drôle. J'ai dit que tu vas te marier. Tu fais quoi? Tu couches avec elle? Non. Tu fais quoi? Rien. Il dit faut pas se marier. Parce que quand mon père l'a envoyé l'argent, elle ne veut pas nous donner aussi. Donc il dit faut pas mon papa lui donner l'argent, elle a resté comme ça. Alléluia. Elle a souffert. Comment tu as gâté le mariage? Dis-nous où tu as mis son mariage. J'ai mis ça là-bas. Là-bas où? Oui, j'ai fait la sorcellerie là. Pour pas se marier. Oui. Elle n'a qu'à rester comme ça. Oui, elle a qu'à souffrir. Souffrir, on dit. Souffrir. Mmh. Il dit pourquoi mon papa l'a donné de l'argent. Parce que quand mon père envoie l'argent, il demande l'argent. Elle ne veut pas me donner aussi. Donc tu as attaché le cœur de ton père. Il ne faut pas la regarder quand tu es en mon père. Elle est physiquement ici, sinon, la petite là. Elle peut plus faire. Elle est déjà agressive. Bon, allez nous asseoir. On priera pour toi. Vous allez à l'église? C'est pour vous une occasion d'accepter Jésus comme votre sauveur. J'étais la même chose que toi, je ne croyais pas à la sorcellerie. Je suis issu d'une famille musulmane, moi qui te parle. Je ne croyais pas à l'église, je ne croyais même pas en Jésus-Christ. Quand mon père était victime de la sorcellerie, quand tout le monde était victime de la sorcellerie, et moi j'ai été foudroyé d'une maladie mystique. C'est comme ça, j'avais comme ça nez à nez avec la sorcellerie et j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Quand j'ai accepté Jésus, il m'a miraculeusement guéri d'une maladie mystique quand j'étais en France. Et donc j'ai décidé, le Seigneur m'a appelé aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça Jésus-Christ m'a appelé. Donc tu as des trucs, c'est comme ça. Donc vous avez besoin d'accepter Jésus. On ne peut pas vivre dans ce monde sans Christ. Ce n'est pas possible qu'on soit là sans Christ. Et qu'on vit sans Jésus, voici ce qui peut nous arriver. Non. Je ne t'ai pas interrogé. Moi, je n'ai jamais cru, je n'ai jamais pensé qu'à un instant, j'allais prendre le micro dans une église. Il ne va plus protéger de donner un pasteur, homme de Dieu. Il a toujours un temps. Voilà. C'est un temps, je pense que c'est le temps. Voilà, c'est un temps, c'est le temps. Chacun a son temps. Et je pense que c'est le temps. Est-ce que vous voulez accepter Jésus comme votre sauveur? Je veux accepter Jésus maintenant. Tu veux l'accepter maintenant? Levez votre main. Non, on n'a rien pas. Non, je n'ai pas encore fini avec elle, je parlerai avec elle. Mais ce qui est plus important maintenant, c'est que vous l'acceptez. Si vous l'avez accepté, ce qui a été fait sur vos vies, Dieu prendra le temps de vous délivrer, vous personnellement. Elle est l'ennemi sorcière, elle sera délivrée. Mais vous, étant victime, si vous ne l'acceptez pas,
cette action ne sera pas menée de délivrance dans votre vie. C'est quand vous l'acceptez que Jésus vous délivre. Parce que nous avons prié pour vous, mais il faut que vous l'acceptez. D'accord? Dites Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de t'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Entre dans mon cœur et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Merci. Merci. Accepter. Pardon tous mes péchés. Restaure-moi. Restaure-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que j'ai prié. Que j'ai prié. Amen. Amen. J'ai prié que la puissance de Dieu, cette puissance de Dieu libère ton âme, libère ton mariage. Que la sorcellerie soit vaincue sur ta vie. Je prie que tes finances soient libérées. Je libère tes finances ce matin. Commande aux esprits de libérer ton âme, de libérer toute ta vie. La puissance de Dieu te libère ce matin de l'esprit du célibat, de l'esprit du célibat au nom de Jésus-Christ. Et je libère toutes tes finances. Je proclame la puissance de Dieu sur ta vie. Amen. 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 Ta fille est victime. D'accord? D'accord? Mm-hmm. Je pense que au finish de toutes ces paroles qu'elle va dire, ce que nous voulons te demander, c'est d'accepter de la pardonner aussi. D'accord? Mm-hmm. Parce que l'Église, quand tu as accepté Jésus, il a pardonné tes péchés. Il dit, pardonnons nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu comprends? Quand elle parlait tout à l'heure, elle n'a pas dit, je suis allé prendre la sorcellerie. Elle dit, on m'a initié à la sorcellerie et lui ont donné une feuille de route. Fais ça, fais ça. C'est ce qu'elle a fait. En venant te détruire, c'est pas d'elle-même. C'est poussé par un esprit. D'accord? D'accord? Mm-hmm. Mm-hmm. Que Dieu te bénisse. Maintenant, je vais pousser mon travail. Allez, vous asseoir. Que Dieu bénisse. Hein? Ok, on poursuit. Donc, quand tu as gâté la vie de maman, la sorcellerie, c'est ça? Tu as fait quoi encore? Et puis, j'ai bloqué son marché. Ton marché, quoi? Son marché. Son marché. Elle est commerçante? Oui. Elle fait quoi? Elle vend pain. Elle vend pain? Oui. Et tu as bloqué comment? Il ne faut pas ça marcher. Et quand quoi faisant, tu as fait quoi? Il me s'est assis dessus. Tu t'es assis là-dessus? Oui. Et puis quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis elle a tapé la vie de ma grande soeur. Oui, elle est sa grande soeur. Comment sa grande soeur s'appelle? Elle s'appelle Elo. Elo. Tu as attaqué sa vie comment? Il ne faut pas partir à l'école. À l'école. Donc oui. Tu as gâté son école? Oui. En quoi faisant? Et puis son intelligence. Et tu as envoyé ça où? Là-bas dans la sorcellerie. Et puis tu as fait quoi encore? Et puis j'ai gâté la vie de ma grande soeur. Comment elle s'appelle? Kenny. Mm-hmm. J'ai pris son intelligence. Mm-hmm. Donc toi tu prends l'intelligence et tu empêches les gens d'aller à l'école. C'est ça? Oui. Et tu as fait quoi encore? Puis j'ai tué les gens. Tu as tué les gens? Oui. Jusqu'en combien? Cinq. Cinq personnes? Oui. Tu les tues et tu les manges? Oui. Tu manges quelle partie? Moins que, puis tête. Oui. Et c'est à quelle heure de la nuit tu sors pour aller faire la sorcellerie? Minuit. Minuit. Oui. Tu peux regarder quelqu'un qu'on peut le détruire? Oui. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Je veux me délivrer, je veux sortir de la sorcellerie, je veux avoir une bonne vie. Ok. Tu as compris? Ce que la fille vient de dire, elle veut quitter la sorcellerie, c'est possible. D'accord? Oui. Elle-même, elle fait quoi? Elle a arrêté. Il y a quelle classe? Ok. Vous voulez qu'on va, il faut qu'on la programme. Non, on a une orphelinat ici. Vous voulez qu'on l'aide? Hmm? Faut réfléchir. Ben, le huile est trop. Je te laisse le temps de réfléchir. Hein? Si tu es d'accord, on va essayer de la prendre. Parce que nous, c'est ça. C'est ce que les sociaux deviennent demain, ça nous intéresse. Leur vie après la délivrance nous intéresse. Il faut qu'ils soient dans un environnement où les gens croient à leur épanouissement spirituel. Et si tu es d'accord, nous allons la récupérer. À défaut d'aller à l'école, on peut mettre la main dans un métier.
n'est-ce pas, pour qu'elle devienne quelqu'un demain. Parce qu'elle ne peut pas rester comme ça sans aller à l'école. Et on peut l'aider même à aller à l'école, parce qu'elle a encore l'âge pour aller à l'école. Voilà, ça c'est important. Je te donne une semaine pour réfléchir. Je te donne le contact pour qu'on puisse l'aider. Non seulement sans spirituellement, mais socialement, pour que demain, elle soit en mesure d'avoir de l'argent au travers de son travail et puis avoir un foyer où elle est à l'aise. Voilà, ça c'est vraiment important. On dit, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas papier. Comme tu prends papier pour envoyer là-bas pour toi-même, là, et tu as envoyé. Ah, et tu as vendu ton intelligence. À combien? Combien? Remplacé par l'homme. Ah, tu voulais manger l'homme? Mmh. Dis, tiens, intelligent, donne-moi à manger, j'ai faim. C'est ça? Mmh. Une petite jolie fille, n'est-ce pas? Tu vas la trouver. Hey, maman, t'es belle, hein, te manger. Sans graines, elle est glitty. Bon, rire le cas dedans. Coup de sorcier, on appelle la puissance de Dieu. Jésus, puissant des ténèbres, lâche-la au nom de Jésus, fais sur toi, allez, feu, allez, feu, allez, feu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de Dieu, je libère ton âme, je libère ton âme. Je libère ton esprit ce matin. Je libère ton âme au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu! Hey! Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Jésus te libère ce matin. Jésus te libère ce matin. Jésus te libère. Lâche-la. 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 Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte. Quitte. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Lâche-la. Va. Nous, en 5 minutes, on peut chasser l'esprit de la sorcellerie. Nous avons le pouvoir, ce pouvoir que Dieu nous a légué pour chasser les démons. Quitte son corps, quitte son cœur. Son âme est libérée. Son âme, quitte son cœur. Cette envie de manger l'homme, quitte, disparaît. L'envie de détruire. Le pouvoir de la sorcellerie te libère. Le pouvoir de la sorcellerie. Le démon entend de partir. L'entend de sortir de son corps. L'entend de sortir de son corps. Sors. Définitivement. Sors. Définitivement. Sors. Sors. Lâche-la. 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 Voilà, va-t'en. Va. 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 Elle est délivrée. Est-ce qu'on peut acclamer aujourd'hui? Thank you.
Que les choses sont parties de toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maman bien. Maman bien. C'est fini. Toi? Demain tu auras un bon foyer. Demain tu auras des enfants. Demain tu vas acheter les pains même à maman. Voilà, c'est important. Il faut faire un adou à maman. Adou. Yeah.
tu es béni. Dis à quelqu'un. Ça va? Ça va? Maman et la fille, ça va? Ah, super. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Qui veut parler? Qui veut? C'est les petites jolies filles qui sont là, je sais. Maman, t'es belle, hein? T'es belle. Elle dit oui. Tiens, numéro, oui. C'est quoi? Move. Ça veut dire no limit. Ah, vous n'avez pas compris que move, ça veut dire no limit. À n'importe quel moment, il n'y a pas de limite. Elle va te montrer qui a mis le sucre d'orange. J'ai une fille sorcière, tu l'embrasses. Pendant que tu l'embrasses, elle voit ton cerveau comme des gays. Ça va? Les sorcières? Ok. Je suis sorcière. C'est ma petite soeur qui m'a initiée. Je ne connais pas ton nom. Tu viens d'où? Je m'appelle Deborah. C'est ma petite soeur qui m'a initiée. Je suis française. Je suis Kourmé. Je m'appelle Kessébine Deborah. C'est ma petite soeur qui m'a initiée. Par la nourriture. Depuis la nuit, quand on est parti, demain, elle est venue me chercher, on est parti. Quand on est parti, on est arrivé, ils m'ont donné du sang, j'ai bu. Puis, on a mangé. On a mangé long. Ils m'ont donné le bras, j'ai mangé. Et matin, quand on est venu, maintenant la nuit, on m'a dit de tuer. J'ai tué 4 personnes. J'ai tué, première personne, j'ai tué Toto Adi. Toto Adi, c'est qui? C'est un Bakoué. Mm-hmm. Et puis, deuxième personne, j'ai tué Toto Adi. C'est qui? C'est un Bakoué aussi. Donc, Kourmène peut tuer Bakoué? Mm-hmm. Et puis, troisième personne. Ça, cette personne, c'est une femme. Elle n'a pas dit non. Tu as mangé. Qui t'a dit de la tuer? C'est là-bas, on m'a dit de la tuer. Qui t'a envoyé? Elle s'appelle Tati Anita. C'est elle qui t'a envoyé tuer là-dedans. Mm-hmm. On y va dans la confession. Puis, qu'est-ce que tu as détruit autour de toi? Il a détruit 4 la ville et 4 personnes. Qui est qui? Il a détruit le commerce de Barama. Où elle est? C'est au fond. Là-bas. Au fond? Ok. Faites quel genre de commerce? C'est quoi comme? Un salon de coiffure et congélateur. Congélateur et quoi de nom? Il fait glace pour livrer à la boulangerie. Qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que c'est devenu? Bon, congélateur, c'est en face. Dans 2 jours. Et qui a fait ça? C'est moi. Comment tu as gâté le congélateur? C'est moi qui ai gâté. Comment? Il a empoisonné le congélateur. Comment? Il a empoisonné pour ne pas que ça marche. Oui, mais tu as fait quoi la méthode? Tu as employé quoi? Il a mis une chose dessus. Il a versé du sang là-dessus. Et puis tu as bloqué le moteur sur ce gâteau. Vous allez à l'église? Oui. Quelle église fréquentez? Ministère de la puissance de Dieu. Ah. C'est là-bas que tu es dans la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu, ministre. Mais pourquoi ça n'a pas d'impact sur ton ministère? Ok.
Le passé a eu les révélations. Et elle a eu ses confessés. Le passé, elle est délivrée, qu'elle est prise dedans. Alors, quand le pasteur a confessé, tu as confessé au pasteur, comment il a délivré? Bon, il a fait jeûne sec. C'est tout. Prier, oui. Il n'a pas chassé un démon. Bon, moi, je n'étais pas prêt. Qu'est-ce qu'il a fait, le pasteur? Il a versé une onction sur moi. C'est tout. Et puis, il a prié pour moi. C'est tout. Le démon est parti ou n'est pas parti? Il n'est pas parti. Il n'était pas parti. À part ta maman, tu as gâté qui? Il a gâté combien de ma tante? Hein? Combien de ma tante? Tanti? Mm-hmm. Elle est où? Elle est à Bébé. Comment tu as gâté? Donc toi, tu es expert en gâter combien de gens? Oui. Mm-hmm. Comment tu fais? Je l'ai transféré. Tu sais qu'elle elle met les prostituées dans le monde spirituel. Tu couches avec les gens là-bas, en sorcellerie. Tu prends leur chance. Dieu va te bénir, d'accord, toi? Ok. Pourquoi tu es si... Qu'est-ce que tu as? Pourquoi elle-même, c'est pas ma propre fille? Non. C'est qu'elle l'a dit, si moi, vraiment, ça non, 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 non. Non, mais ça nous dépasse ce que tu viens de dire aussi. On a commencé sur la base de « c'est ma fille ». Quand tu m'as dit « ce n'est plus ma propre fille », tu la rejettes. Tout enfant reste enfant, nos enfants, ils restent nos enfants. C'est maintenant que tu dois montrer le cœur de maman. D'accord? Quand tu l'as entendu parler tout à l'heure, elle a dit quelqu'un, c'est quelqu'un qui lui a donné la sorcellerie. Hein? C'est pas elle. D'accord? C'est pas elle. Sa soeur lui a initié. Et quand on devient sorcier, c'est ce qu'on fait. Et ce qu'on peut faire pour quelqu'un qu'on aime, c'est ce que tu es en train de faire. L'envoyer dans un endroit pour la faire délivrer. Elle reste ta fille, t'as compris? Hein? Elle reste sa fille. C'est le diable qui est venu agir dans sa vie. C'est le diable. Elle reste ta fille. Vous avez saisi? C'est pas de sa propre faute. Elle a été animée par un démon, c'est l'esprit qui l'a poussée à aller gâter. Qu'elle sera délivrée, elle reviendra son état normal. Tu comprends? C'est ce que nous allons faire d'ailleurs, la délivrer. Mais s'il te plaît, il faut qu'elle reste ta fille. Parce que Dieu va la délivrer, elle restera ta fille. Chacun, homme de Dieu, a son onction. Et les gens, ils ont une onction, chacun a son onction. C'est comme ça. Dans un gouvernement, l'autre est ministre de la Santé, l'autre est ministre de Finances. Chacun a son ministère. Dans le corps de Christ, chacun a son ministère. On ne la délivre pas parce que pour qu'elle reste ici, elle délivre pour qu'elle vive sa vie chrétienne. Voilà. Moi, ce n'est pas quelqu'un, c'est Dieu qui m'a consacré à ça. Voilà. Ce don-là, je l'ai reçu de la part de Dieu. En 5 minutes, on l'a délivré, c'est fini. Nous savons comment délivrer un sorcier et comment faire pour ne plus qu'elle répand la sorcellerie. Nous avons reçu cette fonction de Dieu. Ok? Voilà. Ta joie sera de la voir délivrée et puis demain être bien au foyer, dans un foyer, c'est une victoire. Et ça sera la honte dans le camp du diable. Il faut que le diable soit hardi. Salut ta maman. Pourquoi tu souris pas? Dieu dit dans sa parole, pardonne les offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu as compris? Il y a un monsieur qui est venu ici, il voulait me manger. Sauf du blé. Un photo igname. Et le nid pasteur Azaroko.
Ils l'ont chassé du village, il l'a hébergé. La nuit, il est en train de cultiver, me manger. Il a faim. Et c'est le délivreur, il veut voir dans une mamie, et puis le manger. Mais je l'ai accepté. On l'a délivré, j'ai des pasteurs. C'est ça l'amour. Ce qui n'existe pas chez le diable, c'est l'amour. Donc on ne se met pas au même niveau que les agents du diable. Pendant qu'ils nous attaquent, nous représentons l'amour de Dieu, mais bien plus dans la prière. Le jour commence à se répandre, on est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut les... Non, on continue le combat, mais on les accepte. Quand ils commencent à se répandre, on les accepte. D'accord? Ok. Seigneur, merci. Dieu l'a béni encore. De restaurer sa vie, de bénir tous ses biens. Que ta puissante main, Dieu, agite maintenant dans sa vie. Glorifie ton nom dans sa vie. En fait, que le diable, ce qu'elle avait perdu, il soit restitué au nom de Jésus. Amen. Dieu te restitue tout ton argent. Dieu te restitue tes biens. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Ouais. Tu as gâté quoi? J'ai gâté la vie de mes soeurs. Parfois. J'ai gâté la vie. D'abord la vie des grandes personnes avant les petits hommes. J'ai gâté, il a attaché mon père. Il est où? C'est ta fille? Et tu as le manger, ce monsieur. Vous les pouvez aimer soit grain comme nous. Soit grain est du riz. Surtout banane mûre. Ça va? C'est toi qui manger à la petite. Il a attaché. Toi bien. C'est ta fille aussi. Elle t'est pas délivrée. Ça va? C'est quelle mine tu présentes là? Quelle est la mine tu présentes? Tu es sorcière ou pas? Je suis sorcière. Bon, tu ne veux plus quitter là-bas ou bien tu veux... Si, je vais quitter. Bon, ton visage ne doit pas être serré. C'est pas nous qui t'a forcé d'aller faire sorcellerie. C'est la honte qui fait. Non, mais la honte là, elle a vu ses camarades passer ici. On dit quoi? Tu es sorcier comment? C'est mon nom, tu m'as initié à la sorcellerie par la nourriture. Comment? Et moi, maman n'était pas là. Donc, on allait chez lui à la maison, sa femme m'a préparé. Maintenant, sa femme a préparé un poulet. Elle sortait, elle fout. C'est pas ça qu'elle a mangé. Une nuit, elle s'est couchée. C'est là qu'elle est venue me chercher. Il m'a appelé, il ne voulait pas partir, mais il m'a foutu. Il s'est parti. Arrivé là-bas, ils m'ont mis en genoux. C'est là qu'ils m'ont donné du sang. Mais quand il s'est arrivé, c'est là. Quand mon père est parti me chercher, c'est quand il s'est arrivé, c'est là maintenant. Il y a une femme, elle s'appelle Anita, elle m'a attiré dedans. C'est là maintenant, c'est elle qui nous reste, elle nous dirige là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait avec papa? J'ai bloqué la clé de voiture de mon papa. Comment? Il devait acheter une voiture et puis il a bloqué sa clé. J'ai bloqué la chaîne de la voiture. Il devait acheter une voiture. Je vais le montrer. Le projet. Où t'es bloqué? Comment tu as su qu'il devait acheter une voiture? Il a vu ça sur son visa. Vous voyez. Que vos projets soient cachés dans le sang de Jésus. Amen. Que tous vos projets soient cachés dans le sang de Jésus. Amen. Comment on voit ce visage? On voit ça comment? Bon, à un certain moment, il était... Mamie, vous pouvez regretter ça, habitant veut dire. À un certain moment, j'étais content, honnêtement. J'étais assis. Pas les jeter sur le bord, là-bas, dans l'arbre. Il était assis sur l'arbre. Tu as vu qu'il devait acheter une voiture. Et tu as bloqué. Comment tu as fait? Il a tiré ça. Et après, il a sa mère. Explique. Donc, ça veut dire qu'on a déjà le projet spirituellement, on a déjà ça. Avant que ça ne se concrétise. Tu as tiré ça comment? J'étais arrivé. Il était arrêté maintenant, il a vu ça sur une clé. Mais il a commencé à faire. Mais s'il est arrêté, il a commencé à tirer dans sa main.
Et puis le bonjour. Il s'est transformé en hibou et puis a tiré ça dans sa main. Et puis c'est gâté. Et tu as fait quoi d'autre à ton père? Et puis il y a un fait que pour ne pas qu'il se marie à ma maman. Ah, j'ai dit qu'elle couchait toi. Mais il y a ton père ici, que ta fille là. Elle fait l'amour et toi. Mais si c'est Marie pas, c'est qui est ma femme. Nous on connaît ça malgré les sorcelleries. C'est tout, c'est tout ce que j'ai révélé dans son livre, révélé dans mon livre. Vrai ou faux? Vrai. Tu la regardes. C'est pour ça qu'il faut prier. Tout à l'heure, je vais donner les stratégies de prière. Je donnerai des heures et les temps de prière contre la sorcellerie. Tout à l'heure, dans l'enseignement, dans l'école de prière. Comment tu fais? Ton papa, il dort, il est... Voilà, lorsqu'il dort, il m'approche à côté de lui, mais lui ne sait pas. Hein? Lorsqu'il dort, la nuit, il m'approche à côté de lui, mais lui ne sait pas. Mmh. Non, tu n'as rien, il m'approche. Regarde, en français, quand on dit « je m'approche à côté de lui », ça c'est français. Tu n'as rien dit? Je m'approche à côté de lui. Il m'approche à côté de lui, il ne sait pas. Il se couche ensemble. Non, c'est toi qui couches à lui, c'est pas lui. Il me couche à lui. Lui dort son maïron. Oui. Ah, il y a les gens qui ronflent. On dirait oui, orchestra. Il y a tous les guitares, tous les sons. Et c'est pourquoi? Ce n'est pas qu'il se marie à maman, c'est à cause qu'il a fait tout ça. Et pourquoi? Si c'est marié, c'est mauvais ou c'est bon? Si c'est marié, ça ne me plaît pas. Pourquoi? Ah oui, il y a jalousie là-bas. Oui. Ah! Donc jalousie là, c'est pas tout, hein. Chacun protège son territoire. Chacun veut pas que son territoire soit miné. C'est son papa. Ou bien? Oui, c'est vrai. Et puis tu fais ça, ton papa. On appelle ça un sexe en français. C'est contre nature. Pourquoi vous aimez provoquer Dieu? Vous êtes sorcier. Vous faites contre nature. Ce qui n'est pas fait, c'est ce que vous faites. Où tu as caché sa chance? Là, lui, là, c'est un millionnaire. Où t'as caché? Il a caché ça sous l'arbre. Sous l'arbre. Vers où? Chez moi, à la maison. Là. Ça met tout ça là-bas? Oui. Il faut qu'on vienne faire une action sur toi là-bas. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Et toi, mamie? Comment? La puissance de Dieu. Le feu de l'esprit de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Lâche-la! 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 Fais-la! Comme! Allez, fais! Allez! Lâche-la! 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 Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Libère-la! Libère-la. Vous avez mangé. Ah, il y a gêne. Vous savez que le pied vous jette, jette, jette. Le feu consume tes œuvres. Le feu de Dieu consume tes œuvres dans ce corps. Lâche-la. Lâche-la. Le feu. Je proclame ta délivrance maintenant même. Je proclame ta délivrance maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance maintenant même. Chandelle! Le feu! Le feu! Le feu de Dieu consume tes œuvres. Le feu de Dieu
consume des heures. Viens prier pour toi. C'est qu'en jaune là. Je sens un truc. Quoi t'appelles? Charlie. Quoi? Charlie. Tu viens d'où? Ma grande soeur. C'est ta grande soeur? Elle a déjà commencé à initier la fille là. Voilà. Dans l'esprit, elle était prêt à partir. Mais dans le corps, oui, parce que j'ai un lien. En cas où il y a un danger, l'esprit va s'incarner dans le corps de la fille et il y a une continuité de la sorcellerie après. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Quand tu commences à prier, il faut avoir le discernement, il faut regarder un peu partout. Et tout ça, c'est important. J'ai détruit cette connexion par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Que son âme soit plongée dans le sang de Jésus. Ton âme. Je détruis déjà cette sémence du diable dans ton corps. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Le feu de Dieu consume tes œuvres. Et dans ce temps, dans le nom de Jésus, lâche-la. Lâche-la. Je détruis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Dans le nom de Jésus. Pars. Libère son âme. Libère son âme. Va-t'en. 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 Le monde est parti. La puissance de Dieu. Définitivement par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Si vous remarquez qu'une fille ou un enfant a été sorcier dans votre maison, c'est qu'il a commencé à initier les gens. Pour établir son règne, son royaume. Parce que même parce que la Bible dit que deux valent mieux que un, c'est comme ça. Il établit son royaume dans la mer. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. C'est comme ça on délit sorcier. Faut assister. On reste pas une seulement. C'est un démon. Il doit partir. Il faut les partir pour sécuriser la vie en versant lui. C'est pas comme ça on verse lui, les gens, ils versent lui. Il faut connaître le travail. Vous voyez, lui, là, son nom versé sur les gens. Tu quittes définitivement sa vie. Tu quittes définitivement sa vie. Qui est dans le sang de l'agneau. Par la puissance de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Je prie. Elle est délivrée, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen.
Elle ne touchera plus à la sorcellerie, parole de prophète sur sa vie. Elle ne touchera plus. Le jour où elle touchera la sorcellerie, elle rencontrera Dieu sur sa vie. Amen. Ça va? C'est la fond d'une mise. Oh, tu allais manger les gens. La puissance de Dieu. Allez, feu! La puissance de Dieu. Je chasse dans ta vie l'esprit de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je te débarrasse de ce démon, l'esprit de la sorcellerie. Sors! Allez, dégage! Dégage! Libère-la. Au nom de Jésus, je détruis ta présence dans ce corps. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. Lâchez-la. Lâchez son âme. 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 Lâchez son esprit. Lâchez son âme. Lâchez son âme. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Te libère. Sa puissance. Démon de la sorcellerie. Tu la libères. Tu la libères. Au nom de Jésus. Quitte son âme. Quitte son âme. Quitte son âme. Lâche. Lâche-la. Je fais sur toi. Le feu. Lâche-la. L'esprit de la sorcellerie. Quitte sa vie. Merci Jésus. Lâche-la. Va-t'en. Va. Va. Quitte son corps. Qui libère son âme. Qui libère son corps. Et tout son âme. Lâche-la. Nous acclamons le Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Ça va? Tu te sens bien? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous allons prier pour les papas. Mets-toi en genoux. La puissance de Dieu te libère. J'ai prise toutes ces manches de non-emboutissement de ta vie, de pauvreté, de misère, dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame ce matin ta délivrance. Je brise les liens. Je détruis. Je libère ton travail, tes finances, ta maison, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Tout à l'heure, on va faire des actions. Faites-la lever. Je détruis cette connexion définitivement en plongeant ton âme dans le sang de l'agneau. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous allons arrêter avec cette première partie. Le soir à 20h, nous allons poursuivre la réunion de ce soir. Nous allons permettre au groupe d'intercession de poursuivre l'intercession parce que l'équipe des Aroko et l'équipe ici sont en jeûne,
pour, n'est-ce pas, pour le ministère. Voilà, amen. Et le soir, nous allons reprendre nos activités. Mais demain matin, personnellement, demain, il n'y a pas de prière. Il y a la réception à partir de 9h. Demain matin, il y a la réception jusqu'à 14h. Et la prière aura lieu dans la soirée. Voilà, donc voici un peu le programme. Nous allons céder la place au groupe de prière parce que nous sommes en train de prier pour nos activités. Voilà, donc à partir de 20h, nous allons reprendre. Nous allons finir avec les aveux. Les enfants qui ont fait les aveux tout à l'heure, nous allons chasser les démons, mais après, c'est les pasteurs qui vont les prendre et puis faire prêter serment. Donc, je dis, la rencontre de ce soir à 20h, nous allons poursuivre les aveux et nous allons poursuivre l'école des prières tout à l'heure. Amen. Oui. Voilà, donc demain matin, à partir de 9h, il y aura la réception et c'est demain soir qu'il y aura, n'est-ce pas, nous allons continuer le programme. Amen. Oui. Voilà, parce que c'est dans un programme de jeûne qui finit demain matin. Voilà, alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que nous avons une retraite spirituelle à partir du mercredi prochain. Et nous aurons une grande veillée de prière à Zaroko, c'est le vendredi 27. Tenez-vous debout et que Dieu vous bénisse. Je cède le micro au pasteur.